l'entame de mon entretien avec vous, c'est de vous dire que le dossier déjà est au cabinet d'instruction. Je ne vais pas m'élargir dedans. Oui. Quand quelque chose qui a l'instruction est secrète, mais c'est après le décret de Limousin, et l'entête du décret parlait de détournement. Une injonction du ministre de la Justice, du garde des sous, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est parvenue au niveau du parquet général. Le parquet général m'a envoyé une injonction de poursuivre l'ancien maire, le conseil communal en général. Nous avons engagé les poursuites. D'abord, les poursuites sont parties jusqu'à son arrestation à Farana. Il avait quitté ici le matin. C'est vers quand on avait émis des convocations, il n'était pas à son domicile. Ayant quitté à Farana, ayant quitté ici le matin, c'est à 20h, on s'est rendu compte qu'il est vers Farana. On l'a fait retourner. Mais nous avons engagé une procédure maintenant contre lui. La gendarmerie a fait son travail. Hier, le dossier est venu, effectivement. On a saisi. On s'est organisé ici, on a fait un pool de juges d'instruction, de cabinet d'instruction, un pool. Parce qu'on a deux cabinets. Les deux cabinets se sont associés pour devenir un seul cabinet. Maintenant, le dossier est pendant là-bas. C'est les cabinets d'instruction qui ont émis les mandats de dépôt contre nous, plus trois personnes. Il y a le secrétaire général de la commune, ça, Domino Sanduno. Et l'autre, le receveur communal, l'ancien receveur communal, qui est actuellement receveur communal de Beila et de Boula. Donc en fait, voici comment se présente la situation. Mais l'instruction est en cours. Les juges d'instruction sont en train de travailler. Peut-être le moment venu, il y aura une procédure, un procès, un jugement. Et vous serez au courant de ça aussi. Mais quand même, les juges d'instruction sont en train de se battre pour faire la célérité dans la présente procédure pour nous donner une suite. Mais le problème est que si on trouve que dans cette présente procédure, le montant va au-delà de 1 milliard, le dossier sera transféré à Conakry parce qu'il y aura une question de...